Comment Je t'as commence. parié? Est-ce que je peux lui dire deux choses? Est-ce qu'on peut négocier? Genre, Faut est-ce juste qu'elle nous essayer de voir comprend? s'il comprend quelque chose si je dis Alania, Mirad. Ouais, c'est ça. Et Fais-moi. J'allais faire. genre sous un signe d'un de question en fait. Ou à l'acquire. Fais-moi un test de social. Il me dit à l'acquire ou un truc comme ça. Et tout Oh d'abord, putain, tu me demandes des un trucs test de global. social. Sur combien du coup? T'as 30, t'as 25? 30. Allez. Bah, si tu veux, je peux le faire à ta En place. entendant ces mots, il se met encore plus à la défensive et il recule plus, il bloque ce qui est la sortie qui se trouve devant vous. Et Alors, il est à droite. il répète les mots Ketar, Ketar. C'est une sortie à droite ou pas? Là. Enfin, c'est une lumière, un Ça puits de a l'air lumière. d'être une salle, ça a l'air d'être quelque chose qui mène à une salle, mais c'est pas vraiment une Ok, sortie. d'accord. Ouais, enfin oui, mais c'est une entrée quoi. Enfin, Voilà. c'est un C'est passage. vers quelque chose d'autre. Bah après Est-ce on que va je pas peux l'attaquer. m'approcher? C'est quoi Je sa vais taille? m'avancer Grand, il doit sans. faire un truc genre 2 m 20. Ok, Je oh vais putain. avancer sans dégainer aucune arme, lentement vers lui, et lever mes mains pour montrer mon signe. Et je me mets sur la défensive quand même. Je joue RP, hein. Jusqu'où tu veux avancer? Jusqu'ici. Très bien, déplace-toi. Plus t'approches en fait, plus lui il recule. Mais arrivé en fait vraiment dos à la porte, il se met en garde. Donc vraiment tu sens que si t'approches plus près, ça va être compliqué. Et après il répète Chéchec! Chéchec! Je dis dans ma langue natale, je ne comprends pas. J'essaie de formuler pour essayer de comprendre que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Genre, je commence à sortir mes armes et à les jeter par terre en signe de négation, en fait. Oh putain, fais gaffe quand Non, même. vraiment. J'ai vraiment envie de parler avec lui, mais j'aimerais bien que Borvo soit là. Je vais essayer de lui dire, attends, Borvo d'Alveran? Juste comme ça, pour voir. Et je jette. Et Je vais donner un Oui. avantage à Nico. Par contre, c'est pas D'accord. son nom maintenant. Son nom, il a changé de nom. C'est plus Borvo d'Alveran. Ah C'est oui. Dolgun maintenant, comme ça je crois. C'est Oui, Borvo ben. Yukel. Borvo Ou Dod Ukel. Ukel. Borvodog Ukel. Là, tu sembles l'avoir déstabilisé. Et je jette mon arme par terre. Une de mes deux dagues par terre. Pour lui montrer que je veux vraiment. J'en garde une quand même au cas où. Borvo Dod Ukel. Mektar. Mektar Borvo. Je commence à le regarder, je hausser les épaules, faire comme si je ne veux pas savoir quoi. Enfin, j'essaye de... Alors, il pointe un doigt vers ici et il te dit Borvo Necté! Je commence à mettre un doigt vers la sortie. Borvo? Non, non, lui, il a pointé vers ici. Oui, mais justement, en mettant le doigt par là, je mets Borvo. Et lui, justement, il secoue la tête en négation, et il dit Borvo Necté! Deus c'est Borvo qui était. Ça se trouve, tout à l'heure il disait recul et ça c'est un truc par rapport à Borvo. Ben, ça se trouve, il en. Borvo vous a dit ce que voulait dire son nom. Quelqu'un veut me faire un test de souvenir. Mental. Vas-y, Ok. je le fais. Vas-y, fais-le. Ah. Oh putain, pitié. Allez. Hop là. C'est pas Renaissance ou un truc comme ça? Je sais Ah plus. putain. Je sais pas combien j'ai par contre. Ça passe, je crois. Ça passe pas? Non, ça passe pas. Elémir le tient. Espoir revenu des morts. Bah, il a regardé la fiche de personnage. Putain. Si, Elémir, ça passe tout pile. Oh putain, Sois oui. 70 sur Ah bon? 70. Ok, dis-moi. Du coup, Je suis à plus exactement, loin. Borvo Dod Ukel veut dire l'espoir revenu d'entre les morts. C'est ce que tu te souviens qu'il t'avait dit lorsque vous l'aviez revu après l'épisode d'Alakir. Et depuis tout à l'heure, il répète le mot Borvo qui du coup veut dire espoir.
Mais il a l'air donc de dire une négation à propos de ça. Borvo nemekte. Deus et Borvo mette. Je commence à ramasser Borvo ma dague. Posez, c'est Borvo n'est pas posez, un espoir. Borvo. Là, pardon, je ramasse ma dague, je la range, je mets ma main droite sur la poitrine, je le salue et je lui dis simplement merci, merci en me mettant, en le respectant, tu vois. Et je fais là, viens, on y va. Pour l'instant, lui, en fait, il te voit passer dans la salle d'à côté. Et je vais vous déplacer. Moi je tourne pas le dos. Enfin, j'ai toujours un regard. Le mec, il lui tourne pas le dos, il est là. Non. Arrêtez de bouger. Créature de 2 mètres 20 avec une épée. J'ai dit arrêtez de bouger. Oula. Lad. Ah. Je t'entendais caler, je crois. Lad, t'as disparu. Où est ton token? Non, il est là. Mais il est là. Ah putain, il a. Putain. Il a pas bougé. Le token, il avait. Il a pas bougé. Je sais, mais il avait des pop, j'ai pas compris. Oui, bah, je dois loguer ou je dois bugger, je sais pas trop. Mais. Mais quand tu me dis d'arrêter de le bouger, j'arrête de le bouger. Hein. Alors. Bref. Vous pénétrez dans une salle. Je vais vous TP. Dans un instant. Hop là. Voilà, et on va s'arrêter là pour votre tour. Très bien, donc toi t'es en train de t'envoler en mode wouhou! Bah, faut juste que j'essaie de contrôler le dragon maintenant. Oui. Parce que, de toute façon, je peux pas aller rejoindre Borvo, on est d'accord. Borvo, tu sais pas où il est. Voilà, donc. Par contre. Est-ce que j'ai un moyen de le découvrir? Non, parce que t'es pas un mage, tu sais pas vraiment comment. D'après ce que je sais sur Alakir, est-ce qu'il a pu se TP genre infiniment loin ou est-ce qu'il est dans un certain rayon, tu vois, genre de ce que je peux demander aussi à la Ragnar. Alakir, il a pu juste disparaître en fait, enfin faire disparaître son corps physique pour s'échapper, vu qu'il était en train de se faire défoncer le visage par Borvo. Ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé à Borvo du coup? Bah, l'explosion en fait a envoyé Borvo dans les airs, donc lui par contre il a juste dû s'envoler très loin. Okay. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer toujours de contrôler le dragon et de rejoindre les deux autres pour qu'on soit moins séparés. Très bien. Fais-moi un nouveau test s'il te plaît de contrôle. Physique. Oui, mais tu vas avoir un malus de 20 parce que t'as raté le premier. Réussi. Bien. Alors, je vais te déplacer d'endroit. Tu peux voir que Alraknar il est quand même en très mauvais état. Le coup qui lui a été porté l'a beaucoup touché. Tu sais pas s'il va survivre à la bataille. Mais je peux pas l'aider de toute façon là. Non. Au pire je deviendrai le dieu des morts vu que je suis son envoyé maintenant. Quelqu'un ne devient pas un dieu comme ça, lui. Bon, bref. Pourquoi pas. Oui, enfin, je serai le dernier à avoir le pouvoir de ramener les morts à la vie. Très bien, donc tu arrives, tu es sur les airs, tu arrives ici, tu vois, tu reconnais que c'est une entrée de temple, tu reconnais ton cheval de guerre, tu reconnais le cheval qui était celui des l'émir et que Lad avait essayé d'utiliser pour passer de l'autre côté de la rivière. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux redonner un truc au dragon maintenant? Ça dépend, qu'est-ce que tu veux? Juste lui dire de rester là. Jusqu'à ce que je ressorte. Oui, tu peux faire ça. Parce que si je dois le réinvoquer, putain. Non, tu peux faire ça. Ok, bah je vais dire de rester là et je vais m'engouffrer dans la grotte. Je lui dis de pas manger les chevaux. Très bien. Alors par contre, on va être intelligent. Tu vois que tout ce qui est ici, c'est extrêmement touffu. C'est ça qui a pris en fait beaucoup de temps aux autres pour passer. Du coup, tu atterris ici. Pour faciliter ton passage, en fait, tu te glisses entre les plantes et tu vas pénétrer dans le temple. Je tente de voir ce qu'il y a dans le temple. Oui, tout à fait. Parce que
Mon tour qui dure 2 secondes, c'est drôle, mais... J'aurais bien aimé retrouver Boirvo quand même avant, mais bon, j'aurais quand même de le retrouver. Je te déplace. T'as même le temps, okay. T'as même le temps d'avancer en fait, jusque... Jusque techniquement, ça s'est passé pendant qu'ils faisaient leur tour. Ouais, ouais, ouais. T'as le temps d'avancer jusqu'au bord. Jusqu'au... Wow, what the fuck? Au bord de quoi? Attends, je suis pas sûr de vouloir m'avancer jusqu'au bord, qu'est-ce que c'est? C'est un trou. Mais il y a des dents sur ce trou, il y a des narines et des yeux. Mais non, de quoi tu parles? Excuse-moi, ça c'est des narines. Mais t'es fou? C'est, les trucs bleus c'est des yeux, et ça j'appelle ça des canines. Mais non, mais t'es trop con, mais non, c'est juste un trou, t'imagines, tu vois des visages partout. Non mais, genre on dirait vraiment un visage. Je te jure que non. Ah si. Ah ah. Bah je me jette dedans. Très bien, donc ça non plus... Tu m'assures que c'est pas une bouche? Fais-moi un test de physique. Pour de la réception? Ouais. 75 toujours? Réussi. À l'arrache. Enfin, quelques trucs près. Ouais, réussi quoi. Ah, au fait, il a utilisé un dé d'aventure tout à l'heure. Et les mires. Donc, du coup, j'ai 3 dés de mes aventures. Ok. Faudra pas que t'oublies de le dire à Boirvo. Tu me switches de tableau ou c'est à Boirvo là? Pas encore, ça va être à Boirvo. Ok. Donc enlève ton casque. Tu marches vers le sud. Très vite, ouais. Tu arrives sous la pluie. Alors juste en arrivant, enfin durant le trajet, je me suis préparé quelques objectifs. C'est choper des fringues, choper une arme ou plusieurs et choper un cheval. Ouais. J'annonce. Bah c'est tout, voilà, c'est ce que je me suis dit en y allant quoi, c'est... Je m'en fous de ce qui se repasse sur le champ de bataille, je me casse direct au temple, je les rejoins. Bah justement en fait, en arrivant vers le sud, tu commences à passer... Alors t'es à poil du coup, c'est très 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 chiant. Mais tu commences... Il y a du vent. Tu commences à... Tu arrives dans ce qui semble être quelque chose où la végétation est extrêmement, extrêmement dense. Oh, il y a des ronces, oh. Tu te fais fouetter par les éléments, autant par la pluie que par les tranches d'arbres que tu essaies de retirer de ton chemin, ouais. Tu commences à voir à travers des branches une espèce de colline et des pavés qui semblent correspondre à ce que Mahara t'avait dit de l'entrée du temple. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'approche. Je crois décerner des chevaux en plus. Exact. Arrivé ici, fais-moi un test de perception. Physique. Donc sur 40. Ça marche pas. Très bien. En fait, tu vas arriver jusqu'ici. Et du coup, ouais. Vu que t'as raté ton test de perception, tu vas entendre... Non, tu vas entendre un hurlement. Là. Parce qu'il y a un putain de dragon! Oh. Tu entends le hurlement d'un dragon et tu l'avais pas remarqué et juste à ta gauche il y a une bouche qui s'ouvre et une volée de flammes qui t'arrive dessus. Et je peux pas l'esquiver. Parce que t'es en focus. Ouais. Mais bon. T'as plus tes pouvoirs de feu mais t'es toujours insensible aux flammes. Ouais, je suis toujours insensible aux flammes, on est d'accord, ouais. Donc ça me fait rien. Oui, mais ça te surprend quand même ta race. Ouais, je flippe, je sais, je suis là. Ah non. Ce que je vais faire, vu que ça me fait rien, je sais pas, je vais... Non, je vais pas aller aux chevaux, parce que sinon ça va les buter, bah je vais rentrer dans le tunnel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc tu te protèges en rentrant dans le tunnel? Enfin, dans la grotte? Bah ouais, parce que sinon j'aurais bien aimé aller voir s'il y avait genre un slip sur les chevaux, mais je vais pas y aller, sinon ils vont se faire cramer. Du coup, bah je vais rentrer dans le temple. Très bien. Je vais te déplacer. Juste au moment où tu pénètres dans le temple, tu vois le dos de l'armure de Heimdall qui disparaît dans un profond trou. Est-ce que je peux l'appeler? Voir s'il m'entend. Oui, tu peux essayer. Bah, je l'appelle, je fais ça, je fais Heimdall!
Très bien. Tu le dis ça, mais on verra ça autour de Heimdall. Et je vais te déplacer. Et oui, et j'avance avec mes deux mains sur ma... Voilà, parce que bon, ouais. C'est chier. Alors, j'ai ramené Quentin, mais juste pour la dernière, pour ce qui va se passer après. Alors, d'abord, Elémir, Lad... Je sais pas si je suis sur le bon tableau, hein. Ouais, Elémir, Lad, qu'est-ce que vous déduisez de ce que vous voyez? Ça saigne. Il s'est direct. Non, on dirait qu'il y a une tuerie ici. On dirait, effectivement. Mais c'est très étrange parce que tous les cercueils ont l'air parfaitement fermés. C'est ça le plus perturbant. Ce sont pas vraiment des cercueils. Oui, mais on dirait que même qu'il y a du... C'est quoi alors? C'est ce qui pouvait ressembler en fait à des sommiers. Des sommiers, c'est là où tu mettais des matelas. C'est son immense en fait sommier où tu mettais un matelas et après tu pouvais dormir. On peut continuer par okay. Là. Oui. J'aimerais savoir de qui vient le sang. Déjà, est-ce que ce sang est tout à fait normal ou est-ce qu'il a des similitudes un peu, des choses un peu étranges? Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors, deux très bonnes questions. Première chose, le sang ne te semble pas humain. Mais bizarrement, toi t'as un lien avec la nature, mais il te semble qu'il y a quand même une espèce de... Tu sens qu'il y a quelque chose qui ressemble aux humains. Les elfes. Tu sens... Non, du tout. Tu sens que c'est quelque chose qui aurait pu avoir un lien parenté humanoïde. Mais qui n'est pas du sang humain. Quant à ça, ce sont des espèces de moisissures, en fait, qui viennent à cause de l'humidité de l'endroit. Et... Alors, c'est quelque chose... Alors, c'est très farfetch, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un wild guess, c'est-à-dire, c'est un jeu de devinette, mais vraiment au pif. T'as l'impression que c'est comme si on avait désintégré quelqu'un et qu'il avait moisi. Ah. Et ça ressemble à quoi, ça, vraiment? C'est des lits, en fait, c'est... Oui, ce sont des sommiers. Des sommiers, c'est ce que c'est un sommier, quand t'as un truc dur et tu mets un matelas par-dessus. Oui, c'est ce que tu mets, oui, c'est un sommier. Ok, ouais. Il n'y a rien dessus, il n'y a pas de traces, rien du tout. Non. Et les trucs en bois, c'est des étagères? Ouais. Je vais m'approcher. Et ça, c'est aussi de la moisissure, ça? Ouais. Par contre, raison pour laquelle j'ai ramené Heimdall, faites-moi tous un test de perception physique, plutôt sonore, en fait. Moi aussi? Ouh! Oh! Oui, toi aussi, Heimdall. Parce que si tu parles de ça, je l'ai vu. Hein. Oui, mais t'inquiète pas. Le giro, ça passe. Très bien. Oh putain, j'entends tout. Oui, j'entends tout. En plus, c'est logique. Mais en plus, non, c'est pas logique. Tu t'es fait couper les oreilles. Oui, bah c'est pas grave. tu fais dans la limite du raisonnable, MJ. Ce qui se passe, c'est que Elémir est là, vous entendez un hurlement derrière vous. Vous entendez les mêmes paroles que vous avez entendues tout à l'heure. Ketarna keshek! Ketarna keshek! Puis, des bruits de combat. On va l'aider. Lad, je te propose de continuer. Les Alaniens ont l'air d'être pacifiques. Pour l'instant, en tout cas. Parce que je pense que c'est des Alaniens. Va, continue, moi je vais revenir en arrière pour essayer de... Parce que toi tu pourras rien faire avec tes... Avec ta cheville, avec ton épaule, avec ton nez, tout ça. Franchement, t'es pas dans un état de combattre. Je préfère que tu continues. À la limite, si tu trouves qu'un endroit est dangereux, tu reviens sur tes pas. Limite, tu te replies, tu viens vers moi, mais... Moi, faut que j'aille aider l'Alanien parce qu'il... Mais c'est un chemin là-bas ou pas? Oui, il y a un chemin par là. C'est un chemin? Je crois. Hein. Bah, je crois. Parce que là, déjà, on vient de là, en fait. C'est un mur. Ah non, merde, il y a une porte. Oui, c'est un mur. MJ, est-ce qu'il y a une autre porte? Non, pas dans la salle où vous êtes. Du coup, faut revenir voir l'Alania en fait. Oui. Ok, ça m'arrange. Tu resteras dans le couloir en fait, Lad. Du coup, on va pas. T'inquiète, je verrai. Je vous redéplace. Tu vas attendre des dégâts. Oh oh. Pour l'instant, vous n'avez le temps de rien faire. Heimdall, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Je te pose une question. Ouais. Est-ce que j'ai aussi entendu l'Alania? Oui, toi justement, toi aussi, c'est ça le test, c'est que tu as entendu les deux. Tu as entendu derrière toi une voix qui t'a appelé et tu entends des bruits de combat devant toi, mais tu ne sais pas de qui.
Est-ce que bah, je vais courir quand même vers le combat. Il est là. Très bien. Je vais te déplacer et après ça sera le tour du dernier d'entre vous qui n'est pas là encore et vous serez bientôt réunis. Tu lui dis casque ou pas? Comme ça, le temps qu'il voit. Ouais. Alors on peut garder notre casque ou on le dégage? Non, regardez. Non, on va. Gardez. On va arriver. Enfin. Je vais avoir marre de se retirer. C'est pour moi. C'est pour tous. Ah, tous d'accord. Ensemble. Tous ensemble. Ouais. Hey. Borvo. Hey. Borvo. Ouais, c'est moi. Emdal n'a pas eu l'air de réagir à ton appel. Qu'est-ce que tu fais? Eh bah, je vais le suivre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je vais pas rester là comme fais un. Fais-moi un test de physique sur 40%. Oh, oh non, il va tomber dans le ravin. Oh, le 23 qui passe à rien, genre. Bah, Alors, non, par contre, tu te. Alors, c'est pas un échec critique, du coup, tu vas pas tomber dans le ravin. Mais en fait, au moment où tu tombes, tu te rétames la gueule. Tu perds pas ton dernier PV, parce que faut pas déconner. Quoi, dernier PV? Il va mettre du temps à se relever. Voilà, ouais, mais en tout cas, tu sens que t'es dans le mal. Et devant toi, tu aperçois en fait. Tu aperçois le dos de l'armure d'Andal qui disparaît encore une fois derrière une porte. Bah, je le rappelle encore, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il est là, Emdal, putain! Je t'ai sauvé d'un dieu! Je t'ai entendu! Foiré. Sauf que j'ai entendu des gens qui se battent devant. Ah! Foiré! Très bien! Ah, oh, c'est Borvo, c'est bon, il va pas me faire chier. Il peut, des gens il qui peut se s'en battent, sortir! Courir. Il peut s'en sortir tout seul, il ne va pas tomber dans la main. Maintenant, le tour a commencé. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bah, je sais pas, moi, je vois il rien. Il se passe que l'Alanien fait un échec qui est presque critique. Un Alanien? Et il se. Ouh la vache! Ce qu'il se passe, c'est que devant vous, au moment où vous arrivez presque tous dans la même salle, vu que Borvo est encore en retard. Putain, les estocades s'enchaînent entre cette espèce d'ombre qui vous bloquait le passage et le chef des armées d'Alakir. Celui-ci donne un coup dans le genou de l'ombre qui tombe et il n'y prête plus attention, il disparaît dans la sortie qui se trouvait par ici. Thomas, moi je vois rien, c'est normal. Oui. Ah d'accord, ok. Du coup, là, on reprend les tours, l'ordre des tours habituels. Oui. Ok, bah je cours et je le suis. Et au pas, je fais salut. Tu te présentes. Fais-moi un test. Non, mais je fais salut à vous. À vous et au mec de l'avenir. Je fais, salut, c'est moi. Fais-moi un test de. Alors, est-ce que t'es en défensif? Oui. Très bien. Fais-moi un test de parade, s'il te plaît. Contre l'avenir? Ah, oui, si. Alors il se lève, il te donne un coup d'épée, il te stoppe dans ta volée, tu le pars. Et il te. Je le pars à main nue parce que je n'ai rien dans les mains. Non, tu le pars avec avant-bras, enfin tu sais les bouts d'armure. Et il se replace devant l'entrée, même blessé. Ketarna keshek. Ketarna keshek. Je comprends pas ce que tu dis, moi je veux juste t'aider là, je vais le buter là-bas, le mec. Est-ce que je peux agir? Mais nique ta race! Je regarde l'émir, je fais T'as un dico français à la mienne, putain! Moi, attends, je vais chercher un dico, Borvo, viens là! Bah, j'arrive, mais quand je l'appelle pour m'aider, on me répond pas, donc bah. Je vais demander voir non, si. Mais j'entendais un mec qui parlait chelouement avec des bruits d'épée, ça m'a donné envie de venir, tu vois. Je peux agir, monsieur oui, l'émir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il est blessé? Il est blessé. Est-ce que je peux savoir où est blessé le. Genou gauche. Est-ce que je peux l'aider à le soigner ou je sais pas je... Pour l'instant il a pas l'air de vouloir vous laisser approcher. D'accord. Je vais aller vers sévèrement. Sévèrement je genre il a un ligament qui est coupé. Dans ce cas je vais donner un coup de pied dans son genou pour qu'il s'efface pas courir. Là, je vais m'interposer. Non, mais
Non mais il est... j'ai son épée dans la main, je suis trop près pour que tu t'interposes. Toute fa... Bah non justement mais t'as envie de faire quoi? Encore jouer, je fais une parade. Oui, t'as envie de faire quoi? Mais lui mettre un coup de pied dans le genou en fait pour qu'il tombe par terre et que je puisse aller vers l'autre. Très bien, fais-moi un test de physique s'il te plaît. Au moment où il commence à faire ça, je peux dire quelque chose. Tu peux. Réussi. Alors si tu fais une meilleure réussite, tu peux le bloquer dans son action, Emir. Non mais ce que je veux faire, c'est pas non plus genre lui faire mal, c'est juste le faire tomber. Genre je lui mets une béquille, tu vois. Non même. Même. Nick. Elémir, t'as 5 secondes pour dire ce que tu fais. Elémir, 5. Il va avoir les 3 miracles. Je lui lance juste tout simplement. Endalda, Tenum, Tarnes. Arrête ça tout de suite. Bah ça suffit pas, l'arrête et je suppose. Emdal, est-ce que ça t'arrête? Non. Voilà. Bon. Tu sais que là tu viens de faire quelque chose de très dangereux. Non mais très dangereux, je lui ai mis un coup de pied dans le genou. Ah non, mais ça je m'en fous ça. Alors, est-ce que après t'essaies de passer dans la salle? Bah oui. Genre, juste j'attends voir s'il tombe par terre d'abord. Alors, il tombe par terre, effectivement. Et je rentre dans la salle. Genre vérifiant qu'il peut pas m'attraper un truc ou genre... Ah bah justement. Oui, non mais je vérifie avant. Refais-moi un test, mais cette fois ça va plus être... il faut que tu fasses une meilleure réussite que lui. Son épée vient se planter juste à côté de ton pied, tu esquives. Lui il est encore... En fait là il est au sol, il a son genou au sol et il a essayé de te donner un dernier coup d'épée avant que tu passes. Et tu l'as esquivé. Décapique. Non mais je veux pas le buter, je veux juste empêcher l'autre d'avoir les 3 mirades. C'est vrai, t'as raison. Ah oui. Il en a déjà 2 sur lui. Au départ, le mec, j'étais gentil avec lui, je veux t'aider, tu vois. Et Lémir, qu'est-ce que tu fais? Après qu'il m'ait dit ça, je dis à Lad, aide Borvo à parler à l'Alanien. Il faut vraiment qu'on tire des informations de ce qu'il aura à nous dire. Vous savez même pas que je suis là. Non, vous savez pas qu'il est là, ça change pas grand-chose. Je vais dire à Lad, occupe-toi de l'Alanien, essaye de le soigner, essaye de te montrer qu'on est amical avec lui. Essaye de le soigner avec des PV. Oui, oui, vraiment. Non, vraiment. Et moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de rejoindre Emdal. Ouais, bah ouais. Genre, j'ai pas fait ça genre pour fâcher l'Alanien. Je veux empêcher l'autre juste d'avoir les 3 mirades. Je vais m'approcher tranquillement de l'Alanien. Je vais vraiment essayer d'être coopératif, vraiment essayer de gueuler, quoi, limite. Laissez-moi passer, bordel. Enfin, d'une voix calme. S'il vous plaît, monsieur, dès que tu t'approches. Alors, il va gueuler d'une voix calme et énervée. Dès que tu t'approches. Dès que tu t'approches, ne serait-ce qu'un peu de l'entrée, il reprend les mêmes phrases. Ketarna, keshek! Keshek! Et là, du coup, je vais demander un test, vu qu'il est pas loin, à Borvo pour voir s'il entend. De combien? De perception physique, donc 40%. Ah, je vais encore le rater. Pour l'instant, t'es trop concentré sur le fait que t'as failli te tendre la cheville et t'es là en mode. J'ai failli perdre mon dernier PV. En fait, il crie plus fort que l'Alanien. C'est ça. Donc, Elémir, t'es face à cette créature un peu en ombre qui t'empêche de passer. Tu lui remets un coup dans le genou. Est-ce que je peux répéter ce qu'il dit, mais genre en mode interrogatif, tu vois? Non mais à l'envers. Il est blessé de quel genou? Il est blessé du genou gauche. Merde. Je vais faire le tour tranquillement. Et je vais balancer une impulsion pour le pousser contre le mur là, mais légèrement, tu vois. Pour qu'il puisse me laisser ensuite partir tranquillement comme ça. Merci. Pourquoi de ce côté-là? Parce que tu te à côté de Borvo, de tomber en fait. Décale-toi jusqu'ici, puis fais un test de mental. J'essaie de montrer. Désolé, enfin, essaie de montrer que je suis vraiment désolé. Ah, au fait. Emdal, lance-moi un dé de 6 pour savoir combien tu prends de stress pour ce que t'as fait depuis tout à l'heure. Le mec, je prends pas du stress, c'est genre, mais putain, mais laisse-moi passer. Mais si, même, c'est de la fatigue, t'es esquivé un coup et tout. 5, mais je sais pas combien je suis, tu m'as viré de la map. Je suis pas sur la bonne map. Ok, bah attends, je te le fais. J'ai le droit d'aller sur l'autre map ou pas encore? Pas encore. Non. Ok. En fait, j'ai une vraie question, il est venu comment, Borvo?
Vous allez voir. J'ai marché comme un enculé. T'es sérieux? Oui. T'as fait ton jet, Elémir? C'est ton 84? J'ai fait Paris-Roubaix à pied. T'as vu comment moi je suis venu? Oui. Il a pas une tuée, cet enculé. Oh, j'avais oublié de lui dire. Vous faites très peur, arrêtez ça tout de suite. Alors attends. Ça va, je résiste au feu encore. Je résistais pas, j'étais crapé. Ah oh, putain, c'est vrai, j'avais oublié. Mais mon impulsion est vraiment pas violente, hein. Je veux juste le pousser, enfin le pousser à oui, mais partir, tu perds 2 de psy, et l'impulsion est pas assez forte pour le pousser. Du coup, t'es trop gentil. D'accord. Il lui a caressé la joue avec du vent, ça il le fait. Là, est-ce que je peux faire ma capacité? Non. Ouais, là, qu'est-ce que tu fais? Bah, clairement, hein, en fait, je m'approche, je me prends une tôle. Ouais. Mais je vais juste genre répéter ce qu'il dit à l'envers, enfin en mode interrogatif, tu vois. Genre en mode, tu sais, à la compréhension. Genre. Tu sais, tu répètes pareil, pas ce qu'il dit, mais. Genre, Ketalna Keshek? Ouais, voilà. C'est l'oublié. En fait, c'était une insulte. En fait, le mec, c'était. Eh, voici, je te nique ta mère. Et là, le mec, il répète, genre, tu sais. Nique ta mère? Et moi, depuis tout à l'heure. Ma mère. Puis moi, depuis tout à l'heure. Nique ta mère, vas-y, viens, je vais te défoncer. Fais-moi. Espoir revenu d'entre les morts. Ah, vas-y, nique ta mère. Fais-moi. Espoir revenu d'entre les morts. Ouais, mais nique ta mère, je m'en bats les couilles. Fais-moi un test de social, s'il te plaît. Ah, vas-y, et moi je suis Belmondo et je te nique ta mère. Là, fais-moi un test de social. Là, c'est magnifique. J'ai combien? Sur ta 40. Oula, ça. Oh putain, c'est ton avis cul. Voilà. Oh, cours. Et du coup, il te répète juste. Keshek! Keshek! Ketar! Allô? Je t'entends plus! T'as dit quoi? Bravo! Keshek! Attends, ouais, j'ai eu un bug de connexion, il y a eu quoi là? Tu t'en fous, tu l'entends pas toi! Ok. Là, du coup, tu fais quoi? Ça a pas marché! Il a répété pareil! Il a répété pareil! Je veux peut-être, soit je cours comme un gros porc pour essayer en mode esquive, tu vois. Je passe travers. Vu ton état, non. Mais après, je pense que ça veut dire un peu genre qu'est-ce que vous voulez, parce que Ketal c'est de l'espagnol. Mais quoi. Non, ta gueule. Ouais, non, mais je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit, mec. Au pire, je lui ai déjà dit Mirad. Ouais, il a réagi. Mais si je dis hola. Non, Ketal. Comment c'est Yama? Ketal. Soy un amigo. Après. Bah ouais, je peux faire grand chose parce que sinon je peux dégriller vite. Ou sinon je trace comme un porc. Oh. Je prends un caillou et je lance. Putain, mais le mec. Bon, là, t'as 5 secondes pour me dire ce que tu fais. Rien, 5, non, je fais rien. 4. Je fais rien. Tu fais rien? Tu fais rien. Non. Borvo, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je continue de courir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu relèves d'abord? Bah, oui, je me relève. Je m'étais déjà relevé, mais voilà. Et bah du coup, oui, bah je suis Emdahl, hein. Ça s'est passé? Je vais faire deux, trois. C'est lui qui a du pathos. Je le suis. Alors, ce qui se passe, c'est que tu arrives dans la salle et en face de toi, tu vois une espèce de créature sombre qui a l'air... Comme je l'ai décrit aux deux autres, en fait, c'est comme si elle avait été. Comme si on avait retiré des bouts de sa peau. C'est-à-dire, tu vois, elle est sombre, elle a une aura noire, comme si elle avait été maudite. Et elle a aussi. Ouais. Tu vois des muscles, tu vois des organes. Mmh. Enfin, là, pour l'instant, je vois rien, donc c'est. Ah, si, je t'ai déplacé là, non? Est-ce que je peux parler à Borvo? C'est un gros cercle blanc, moi, sur la map, avec un contour noir. Ouais, mais il faut attendre que ça sorte, comme ça me l'a fait tout à l'heure. Ah, et Lad et Elémir, vous voyez arriver Borvo nu. Est-ce que je peux le dire? Nu? Oui, je suis à poil! Oui. Borvo est à poil! Oui, à poil! Mais t'es vêtements du coup, il diffuse! Quand j'étais en démon, j'ai craqué mes vêtements, donc bah, en devenant normal, bah, j'ai. Non, non, est-ce que t'as craqué ta robe d'archimage? T'es sérieux, Borvo? Avec plusieurs tours de retard, alors la fatigue de l'échec critique de Lad et la fatigue de l'utilisation de mana de Elémir va arriver. Elémir, fais-moi un dé de 6 pour savoir combien de points de fatigue tu prends. 2.
Voilà, tu te les rajoutes. Tu fais. Et toi, là, tu vas me faire un dé de 8 pour savoir combien de points de fatigue tu prends. Putain, non, j'aime pas ça. Ah bon, je crois que j'ai un dé, mais je me suis planté. C'est bon, je t'ai rajouté tes points de fatigue. Parfait. Borvo, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois rien, donc là, je peux pas te dire. Je vois toujours pas la map. Tu la vois toujours pas? Bah, tu lag. Mais en gros. Je vais refresh, attends, je refresh 2 secondes. Donc en gros, ouais, qu'est-ce qui se passe? En gros, à gauche, il y a Elémir, à droite, il y a Lad, et en face, il y a cette créature qui te bloque le passage. Ouais. Et qui en fait arrête pas de vouloir bloquer quiconque d'entrée. Est-ce que tu peux vois le dos d'Amnal disparaître derrière la créature? Mais... Ouais, t'es sûr, tu vois encore le dos d'Amnal disparaître, c'est là en mode putain! Ok, et bah attends, je vais retourner sur ma fiche. MJ? Oui. Thomas? Oui, qu'y a-t-il? Est-ce que je peux dire à Borvo, essaye de lui parler de ta langue? Pour. Juste pour voir. Effectivement, c'est un bon conseil. Ouais, je peux. Bah je vais faire ça, avec ouais. Ma langue. Si. Non. Si, il vient d'un pays. Demande à l'Espagne. Demande à Rita comment il est avec ma langue. Où est le Ramon? Qu'est-ce que tu lui dis? Chut, putain. Je lui dis, c'est ça. Alto peu, enfin genre c'est en gros genre calme-toi ou arrête, stop, un truc comme ça, voilà. Alors là, il a l'air surpris parce que tu parles sa langue. Je dis ça suffit. Et il te dit Ketar Keted. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire tu n'es pas un étranger. Et là je lui fais non mon frère, je ne suis pas un étranger. Là ça va partir en couille. Ouais. Je suis Illuminati comme toi. Le mec il a poil, c'est ça. Ça va partir en mode tout le gain. Turda. Je fais des dico. Turda Kemeta. Ce qui veut dire quel est ton nom? Borvo doit de Ikel, quel est mon nom? Là il regarde Elémir, qui était le seul à avoir pensé à donner ton nom, qui était les seuls mots alaniens qu'ils connaissent au mec. Ouais. Et du coup il te regarde. Borvo doit de Ikel. Si. Borvo kenekte. Deus emekete. Et là il te dit, et donc du coup ce qu'il répète depuis tout à l'heure, c'est il n'y a plus d'espoir, les dieux l'ont tué. Tu es qui? Qui est mort? L'espoir. Et là, est-ce que tu peux lire une phrase, s'il te plaît? L'espoir est mort, mais je suis toujours là. Enfin, je suis toujours là. Tu peux lire une phrase pour moi? Non, mais en fait, alors. Bah attends, déjà, je te réponds, je suis toujours là, donc Tu es toujours présent, tu sais que c'est ton nom, mais lui, il parle de l'espoir, le vrai. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est pas un chico. Deus Araniokete. Et donc du coup il te dit les dieux ont assassiné les Alaniens. Ils mangeaient le ramen. Et actuellement c'est quoi Elémir, la phrase que tu voulais que je traduise, c'était quoi? C'était avant qu'il y ait des dieux, il y avait bien vous, les Alaniens. Ne pouvez-vous rien faire? Non. En fait, voilà. Je lui traduis ça en pointant Elémir en leur faisant mon ami te demande ça. Voilà. Bah, du coup, lui, sa réponse, c'est. En gros, bah, je vais pas me faire chier à te parler en alanien, mais en gros. Ouais, ouais, non, c'est pas comme mon accent. Voilà, il répond que la guerre a été serrée, mais que fut un moment. En fait, au lieu que tous les élémentaires se battent en tant qu'une armée, il y a eu un espèce de gros génocide. Oh. Par les chefs. Qui du coup, en tuant tous leurs soldats, ont acquis leur pouvoir. Et quand t'as le pouvoir de toute une armée d'élémentaires dans un seul être puissant, ça a donné les dieux. Et face à ça, ils ont pas réussi à se battre. Ok, c'est et donc bah je lui demande comment l'espoir peut-il renaître, comment l'espoir peut-il revenir. Bah du coup, maintenant qu'il y a quelqu'un qui parle sa langue, il se calme, il chill down. Et il te dit. Il te dit, en gros, il t'explique sa situation. Il te dit qu'il est censé être mort depuis des centaines d'années et qu'il a été maudit par les dieux pour protéger cet endroit. D'accord, bah moi je lui dis, je comprends mon frère, moi-même j'ai été tué par un dieu. Ce
Sauf que en fait, il ne peut pas vous laisser passer. Parce qu'il est maudit. Ah. Je lui demande comment puis-je te libérer de ce fardeau. Moi. Exact. C'est ça. Libère-moi. Il te dit libère-moi. Ok, je vais essayer de faire mon écrasement mental. Très bien. Fais-moi un test de mental, s'il te plaît, sur 70%. 75, allez, 8 en focus. Même 80, parce que tu sais, j'avais refait mon changement. Ah non, oui, t'as raison, c'était 70, ouais, t'as raison. J'ai rien dit. Allez, c'est le moment de bien réussir. Nique ta mère, la pute. Il écrasa et les miens sans faire exprès. Non, ça, c'est un sens, ça. Putain. Le cerveau commença à couler par son Il n'était pas enrhumé. Tu perds 3 points de mana, s'il te plaît. Et tu as fait un. Alors, Borvo, tu as fait. Ah, mais si, attends. Borvo, tu as. J'ai contrôle sur mon perso. C'est pas. Ah, non, attends. Déjà, je vais expliquer ce qui se passe. C'est que Borvo, tu as fait un échec sur une action qui était à conséquence. Oh. Au moment où tu tentes de pénétrer dans son esprit, déjà, je vais remettre ta jauge de fatigue. Je coupe mon micro, excusez-moi. Qui du coup revient. Ah oui, t'avais raison, j'étais à 27. Revient aux 3 quarts. Et la conséquence de ton échec active la dernière défense de la malédiction à la mienne. Oh, génial. J'ai bien fait de revenir. Dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Dégage. Tu passes avant Gary, hein. Il commence à marcher vers toi et il va t'attaquer.